Je suis Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Je suis Sonia de la chaîne Diamant Rose. Je suis Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine. Je suis Sandra de la chaîne Diamant Scintillant. Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve pour la semaine 12 du Diamond Painting Squad Quiz. Je sais pas pourquoi je le danse, mais à chaque fois, je le danse. Donc, la semaine 12, un peu pour faire un parallèle avec une question de... Je me souviens plus quelle semaine, mais une des anciennes questions. On vous avait demandé qu'est-ce que vous mangez en faisant du DP. Est-ce que vous grignotez? Et maintenant, c'est qu'est-ce que vous buvez? Si vous buvez quelque chose au moment de faire du Diamond Painting. Moi, pour ceux qui sont avec moi lors des soirées de Twitch, vous avez sûrement remarqué que j'oublie tout le temps de boire. Boire de l'eau. Je devrais toujours boire de l'eau parce que je suis tout le temps en train de parler pendant que je fais mon Twitch. Puis là, quand je prends ma pause, je suis comme « Ah! J'ai soif! Mon Dieu, j'aurais dû boire! » Mais c'est ça. J'oublie de boire. Mais ça, c'est tout le temps. Même dans la journée, j'oublie de boire. Je me fais un café le matin, puis le reste de la journée, je bois pas. C'est pas super bon. Je devrais boire plus. Donc, ça, c'est mon petit problème. Sinon, l'hiver, par exemple, là, quand, mais en fait, aussitôt que l'automne arrive, là, puis l'hiver, fait que finalement, quand il commence à faire froid, j'aime beaucoup, beaucoup le thé. Le thé... J'achète du David's Tea souvent, ou sinon du thé chai, des affaires comme ça à l'épicerie. Chez David's Tea, mon préféré, là, je suis allée chercher ma boîte vide. Faut voir que j'aime m'en racheter. C'est le punch alpin. Ça, là, c'est débile. Mais moi, j'aime ça, le thé avec du lait dedans. Puis celle-là, il goûte. Tu sais, l'alcool, l'amaretto, là, mais ça goûte la même affaire. Il n'y a pas d'alcool. Mais ça goûte la même affaire que l'amaretto. D'ailleurs. Hein? Ben, il sent pas l'amaretto, mais il goûte l'amaretto. Ben, peut-être que j'ai mis une autre sorte dedans. Là, il sent fruité, mais il sent pas l'amaretto. En tout cas, il est vide! Oh! Ben, il y a des petites herbes dans le fond, là, mais. Il est vide! Oh non! C'est le cas de la ressemer. Oui! Je garde mes pots parce que quand je vais chez David City, je le fais remplir. Fait que ça. Et puis sinon, à l'épicerie, un autre de nos thés préférés ici à la maison, on prend celle-là. C'est. Il s'appelle Épices du Bengale. Pour vrai, ceux qui aiment le thé chai, là, ils goûtent hyper cannelle. Hyper la cannelle. C'est l'ingrédient principal, c'est la cannelle, le premier ingrédient. Et cannelle, chicorée, caroube, gingembre, cardamome, poivre noir, clou de girofle, noix de muscade. Voyez où est-ce que je m'en vais là? Mais nous, on prend trois enveloppes du thé. On le met dans un gros pichet d'eau. Mais vraiment gros, je pense que c'est un 4 litres d'eau. On met ça, puis on le laisse comme infuser à froid. Toute la nuit, le lendemain, on enlève les sachets, puis on se fait des thés froids. Des thés latés froids le lendemain, puis ben, t'sais, ça nous dure 2-3 jours, là, parce qu'on est Nicolas et moi là-dessus. C'est excellent. C'est vraiment un de nos thés préférés d'épicerie. Fait que, mais c'est ça, je me suis même acheté, t'sais, des petites tasses toutes cute, là. Qui fait un peu fancy, là. J'aime ça, ces petites tasses-là. Là. J'ai mes théières, puis j'ai toutes sortes. J'ai une belle armoire à thé dans ma cuisine, là. Puis j'ai toutes sortes de sortes. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent David City, vous savez qu'ils sortent un calendrier de l'Avent de thé. Donc, tous les jours du mois de décembre jusqu'au 24 décembre, vous avez une sorte de thé différente à toutes les portes. Là. Ça, je l'ai eu à plusieurs reprises, plusieurs années à plusieurs années, là, finalement. Puis, sinon, ben, dans le temps de Noël, mon thé préféré chez David's Tea, c'est le secret du Père Noël. Oh! Good bon! Bon, ça c'est, là, je suis en train de me créer des besoins, là, je vais aller voir s'il est déjà sorti sur le site.
pas mal sûr que non. Mais le punch alpin, il est tout le temps là. Je sais pas pourquoi j'en ai pas racheté d'ailleurs. Moi, comme je vous ai dit, la plupart du temps, j'oublie de boire. D'ailleurs, je commence à avoir un chaud dans la gorge. Je vais aller boire de l'eau avant de faire mon prochain vidéo. Ben, j'ai quelques vidéos à faire ce soir. On vous remercie encore de participer en grand nombre, d'une semaine après semaine. Ça fait 12 semaines déjà, donc ça fait un bon 3 mois que le monde embarque, puis répondent aux questions à toutes les semaines. Sinon, ils les accumulent, puis ils répondent tout d'un bout. Ça, j'adore ça de voir nos questions se promener partout, là, en Europe, au Canada, partout, là. C'est vraiment le fun. Merci d'embarquer avec nous autres dans cette belle aventure. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!